bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec François Longteau, cinquième génération de la distillerie Longteau. Bonjour François. Bonjour à toi, merci de m'accueillir. Alors cet épisode, il fait suite à l'entretien que nous avons eu pour découvrir la distillerie Longteau. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et puis si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. François, si cela te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'un rhum en particulier au travers d'un portrait chinois. Ouais, super. Et tu as choisi de nous parler de Papillon Blanc 53. Et peut-être pour commencer, si cette référence était un voyage, lequel serait-il ? On resterait dans la Caraïbe. Très bien. Dans la Caraïbe. Et tu trouverais un lieu pour déguster cette référence ? Ah ouais, très clairement, sur une plage entourée de cocotiers, sable blanc et, l'eau bleue turquoise. Ça serait parfait. On aime bien cette carte postale. Ouais. une musique qui pourrait accompagner ce cadre idyllique ? Alors j'en ai une parfaitement en tête, c'est une musique de Tania Saint-Val et c'est La Guadeloupéenne. D'accord. Ça, je vous inviterai à la télécharger sur des podcasts ou sur des choses comme ça. La Guadeloupéenne, je ne vous la chanterai pas, mais très clairement. D'accord. Et donc, tu es installé dans ce superbe cadre. Il y a la Guadeloupéenne qu'on entend dans des enceintes. Tu décides d'accompagner cette dégustation avec un mets à déguster. Qu'est-ce que ça serait ? Je pense que je serai sur un colombo. Donc le colombo, c'est du poulet, du riz, des pommes de terre et du massalé, qui est donc une sauce antillaise, influence indienne, origine indienne, à base effectivement de curry et de curcuma. Ok. Et donc avec cette association et cette dégustation au son de la musique, si tu devais ressentir une émotion, laquelle ça serait ? L'envie d'inviter la demoiselle à côté à danser le zouk. ok, super. Et donc, si tu devais décrire Papillon Blanc 53 en trois mots, et uniquement trois mots. Je dirais du coup authenticité, terroir, agricole, et je vais demander un joker, je rajouterai partage. Je pense que la notion de partage dans Papillon est importante pour nous. Ok, super. Et maintenant qu'on a ce paysage, qu'on a cette dégustation, qu'on a aussi ces émotions, si on devait garder une photo d'un appareil instantané, une seule photo et une unique photo, qu'est-ce qu'on verrait dessus ? Je pense qu'encore une fois, on serait sur ce bord de plage, mais peut-être sur le coucher de soleil. Encore une fois, la température descend et la chaleur tombe un petit peu et on a ce côté très jaune, orange, rouge du coucher de soleil qui va venir jusqu'à la ligne d'horizon. Pour poursuivre la dégustation à l'infini. Ouais, et le zouk aussi. Très bien. Maintenant qu'on a un peu cet univers et que tu nous as plongé vraiment dans ce qu'est Papillon Blanc 53, est-ce que tu peux nous présenter ce rhum ? Comment vous l'avez élaboré, quelle était l'idée derrière Papillon ? Ouais, alors Papillon, c'est une nouvelle marque qu'on a créée en 2019, qui vient donc avec un profil aromatique différent de Longteau, en tout cas complémentaire.
Et du coup, Papillon, c'est vraiment l'ode à l'authenticité du rhum agricole guadeloupéen, qui va au-delà de ce que Longto peut faire, mais plutôt quelque chose de proche des Guadeloupéens, avec ce caractère justement un peu chaleureux que dispose le peuple guadeloupéen et ce caractère authentique. Donc en fait, on voulait à la fois un rhum fait pour le Tiponche. Mais en même temps avec ce caractère plus doux, plus chaleureux et pas forcément très puissant. Donc pour ça en fait on a utilisé trois variétés de cannes. Donc je fais un petit parallèle avec Longto. Longto on utilise uniquement les cannes du domaine du Marquisat de Sainte-Marie, notre domaine, où Papillon on va utiliser une partie des cannes du domaine, donc la canne bleue et la canne rouge, et une partie des cannes de Capesterbello, donc c'est une ville où il y a plus de 500 hectares de canne à sucre, et sur des hectares de canne à sucre qu'on va nous aussi maîtriser, on va accompagner l'agriculteur, on va le suivre de la plantation de la canne jusqu'à la récolte, et là on a choisi de la canne jaune. Cette canne jaune justement c'est elle qui apporte, donc c'est une canne qui est dans des profils aromatiques assez proches de la canne rouge, donc la canne rouge pour rappel le col c'est R579, la jaune c'est R570, donc vous voyez que les profils de l'ADN sont assez proches, mais elle est plus juteuse et va apporter un peu plus de sucre, et c'est ce côté justement qu'on a voulu aller chercher pour qu'en fin de dégustation, en milieu de dégustation, en fin de dégustation, on retienne plutôt la rondeur et la douceur de ce rhum, d'accord, malgré ses 53 degrés, et qui nous permet d'avoir effectivement un rhum qui fonctionne très bien en tiponche, encore une fois je répète avec le zeste de citron, et en même temps en le dégustant tout seul aussi, puisque cette rondeur et douceur fera que ce rhum peut aussi se déguster sans forcément rajouter du sucre ou encore le zeste de citron. Donc, et c'est ce profil, encore une fois, très caribéen qui est important, la chaleur d'un Guadeloupéen, d'une Guadeloupéenne, et cette émotion qu'on peut avoir tout autour de ce profil-là. Superbe. Et où est-ce qu'on peut trouver alors ce rhum? Chez le caviste, c'est ça? Oui, Papillon, la politique commerciale est identique à celle de Longto, donc c'est uniquement chez les cavistes ou encore une fois dans un restaurant, dans un bar. D'accord, super. Bah, écoute, je m'en vais découvrir une plage, un Colombo et me faire un tiponche. Je pense que c'est une très bonne idée. Merci François. Merci à toi. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.